Il y a un truc que vous voulez rajouter ou... Tu peux fixer la cam. Ah, c'est vrai. On va voir tout ça. Picture me right around here with a Benzo. Picture me blunted with the tints on the window. You could see by the looks of it, I got the feeling. I told them bitches I'm something they should believe in. I told my mama they can't reach me at the ceiling. Baby, this is just the beginning, it's pre-season. I know that you can tell I got it though. C'est un projet qui m'a séduit et j'ai fait le choix d'être ambitieux, de voir plus haut pour ma progression personnelle. J'ai 4 chambres, c'est bien ça ? 4 chambres ? Oui. Comment c'était 3 ? 4 pour nous ? Non, on doit demander 4 chambres. Ok, parfait. Ça va. Alors, est-ce que je peux avoir des personnes qui vont prendre des chambres, s'il vous plaît ? Oui. Madeloï. Excusez-moi. Madeloï. Je le connais depuis qu'il a fait son premier match en Ligue 2 avec Le Havre à l'époque. Je me souviens, c'était à Niort, il m'avait fait déjà une très belle impression. Donc voilà, après, bon, il a quitté Le Havre, et pour intégrer Lens, il a fait une très belle saison avec le RC Lens. Voilà, donc on a suivi ça durant toute cette saison. Et nous, avec les départs de Damien Da Silva notamment, on avait un peu l'obligation de signer un défenseur central. Et voilà, le choix s'est porté très rapidement sur Loïc, voilà, avec Nicolas Olvec, avec Bruno Genesio. On a de suite essayé de rentrer en communication avec le RC Lens pour pouvoir avancer. Après, voilà, ça a mis le temps qu'il a fallu, mais en tous les cas, on est arrivé au bout et on est, comme je disais tout à l'heure, très, très content. Bonsoir. Ça va ? Bonsoir. Oui. Tu vas bien ? Ça va, merci. Bonsoir. Ça va ? Ça va ? Ça va très bien, merci. Long, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le plus important. Ouais, c'est bien, c'est bien. Parfait, on est content, tu vois ça. Mmh, ouais, moi aussi. Ouais. Vous étiez en stage ? Oui, ouais. Dans le 02. D'accord. Dans le 02, je sais pas, c'était okay. Où, à la frontière de la Belgique. Stage cohésion, après ça va, c'est bien passé aussi. Bon, c'est cool, c'est cool. Trop de ballons, vous n'avez pas fait trop de ballons ? Bah, pas du non, tout. Cohésion, ouais. Canoë. Ah oui, c'est par rapport aux chaussures, là. Ah oui, en gros, je savais pas qu'il y avait les tests d'effort. Je pensais que la visite médicale, c'était juste 45, 46. Je te transmets la chaussure demain. Les affaires arrivent demain. Parce que mes affaires arrivent demain, mais dans la journée. Ok. Je vais m'organiser, je vais trouver ça. 45, 46. En plus, 46, comme ça, on est sûr. Ok, je vais ça. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une carrière, c'est à la fois court, mais il faut quand même savoir la préparer. Et je pense que confirmer en France, c'est quelque chose d'important dans une carrière de footballeur, surtout pour nous, Français. Beaucoup de joueurs se sont brûlés les ailes en partant peut-être trop tôt à l'étranger. Après, c'est sûr qu'il y a des contre-exemples, mais justement, moi, je voulais vraiment prendre le temps pouvoir m'aguerrir en France et après, plus tard, s'il le faut, partir à l'étranger. Ok, bah, on descend tout de suite. On pose nos affaires, on descend tout de suite. Dites bonjour à Téléfoot. 5e, je pense. 6e, je pense.
Ah, toi, t'es au 6? T'as quoi, 6? 500, ouais. Je pense que c'est rempli, hein. Pour messieurs, c'est rempli. On va aller au kebab. Ah. Comme ça, tout le monde est content. C'est ça. En tout cas, bienvenue à Rennes. Merci beaucoup. Tu vas être bien. Ouais, je suis content. Tu verras, c'est un beau club, c'est une belle ville. Les gens sont sympas. Et puis, bon, le public, j'ai pas eu le temps de le voir. Ouais, mais je pense que cette année, ça va repartir, donc ça va être top. Oh, le stade, il est bien quand il est rempli. Ouais, franchement, et puis ça fait du bruit. En plus, il est beau, le stade. Et puis ici, ça pousse. Hein. Voilà. On a fait Krasnodar avec 5000 personnes. Écoute-moi, c'était incroyable. Donc, quand il y a 30 000, ça va être sympa. Depuis la victoire en Coupe de France, de toute façon, le public, il est... Ouais. Il en encore. Ouais. Ah, ils ont envie de... Le club, il a envie de progresser, de façon, continuer sa progression. On a goûté à l'Europe, là. On a envie d'y retourner. J'ai vu les équipes qui figurent dans la liste. Oui, après. Pour l'instant, c'est abordable. Ouais, c'est un métier, après, c'est l'Europa League, là, voilà, qui vient de descendre. Relevé. Après, il faut attendre de voir si on va être tête de série ou pas. Ah, oui, c'est ça. Dans le tirage après, soit t'es tête de série et tu joues contre une équipe qui vient du bas du bas, soit t'es pas tête de série, tu peux jouer contre une équipe qui joue l'Europa League. L'Europa League. On va voir. Là, ce qui est bien, c'est les tours préliminaires. Il n'y a pas de tour préliminaire, c'est barrage direct. Et après le championnat. Donc la préparation, moi, elle est tranquille. Non, moi je me dis que c'est que du positif. Si tu tombes dans un groupe plutôt simple, on va dire, entre guillemets. Non, je te parle en barrage. Parce qu'on a un barrage en 8e. Oui, oui. On a un barrage, la petite affaire passée. Ah, en gros, en barrage, on peut tomber contre des équipes de. Ah, d'accord, ok. Exactement. C'est là qu'on va être tête de série ou pas tête voilà. de série. Ah, oui. L'équipe qui veut se qualifier. Et c'est par rapport à quoi, tête de série ou pas tête de série? Ton indice que tu as à l'UEFA et tout. D'accord. Ça. D'accord. C'est chiant que la France soit. Et puis les résultats du club en Coupe d'Europe. Donc c'est un club qui est assez jeune en Coupe d'Europe aussi. On a un play-off quand même, 19 ou 26 pour aller après en. En phase de groupe. Ah ouais. 15 buts. Est-ce qu'on voulait du pain? Moi je veux bien. Et du parmesan? Ouais, j'étais fan de oui, s'il vous plaît. Et est-ce qu'il y aurait du sel par hasard? J'avais poster dans ma chambre quand j'étais petit. D'accord, merci. Si j'ai pas une photo. Arrête un peu. Coupe là en triangle. Moi j'ai avec. C'est ça qui est bien avec toi, Florent. Même les supporters. Ah, prends le sel, s'il te plaît, William. Merci, toi. À Marseille, la saison. Ah, le fameux 5-4, il était présent. 5-4, c'est le match, bien, franchement. Ouais. Ce match, il faut le remettre. On n'est pas bon là. Ah non, c'est incroyable. 4-0. Allez, Loïc. Bon, les gars, il est 23h, il commence à se faire tard. Demain, il y a une grosse journée. Visite médicale plus signature. Faut y aller. Allez, bonne nuit. Oui, évidemment, c'est un contrat de 5 ans. On compte sur lui, oui, évidemment, sur la durée de son contrat. Après, vous savez comme ça se passe. Mais en tous les cas, c'était dans le projet du club, on a envie de s'appuyer sur ce type de joueur-là, jeune, en pleine ascension, et qui va nous permettre de continuer à faire grandir le club. La salle de muscu est plus la partie cardio là-bas, avec les vélos, arc-traîneurs et autres, et toute la renfouée. Bon, après, tu as du matos qui est parti là. Ils n'ont pas de grosse salle de muscu.
Donc ils ont beaucoup chargé. Il est pas toute cette partie un peu là et tu verras pas mal sa performance qui travaille beaucoup avec les cases. Ok. Tu connaissais déjà ce machine là? Oh, ouais. On en a bien proposé. Là c'est la partie kiné pareil. T'as 5 kinés. D'accord. Et il y a une podo qui est en vacataire, une podologue qui vient une fois dans la semaine et après on a Yann Fontaine, notre ostéo, qui vient aller deux fois dans la semaine ou plus si besoin en fonction avec le doc, mais il est aussi avec l'académie, donc il peut être rapidement disponible. Mmh. Ok. Ouais. On va aller voir la balnéo, je vais allumer. Ouais. T'as douche à infusion là-bas, mais elles servent jamais. Sinon, t'as le hammam, le sauna, le bain froid, le jacuzzi et la piscine. La piscine, c'est un fond mobile, c'est-à-dire que tu peux la mettre au niveau 0 et descendre jusqu'à la fois. Pour nous sur la phase de rééduque un peu modifier le poids du corps. Ouais. C'est parti. Là, tu fites là. Et là du coup on va sur le terrain? Non, on va faire un truc, tu sais, il y a deux bâtiments qui nous président. Moi je me sens bien, je sens que j'avance. Et très heureux surtout de voir mes proches qui ont le sourire, de les voir qui sont fiers, voir leur fierté, etc. Franchement c'est. C'est ça qui me rend le plus heureux, c'est un énorme bonheur. Okay, donc là, tu vas aller retrouver ton équipe en stage. C'est ça, on va les retrouver. Ils sont en stage pas très loin. Donc, on va préparer la chanson parce que je sens qu'ils vont me faire chanter. Tu sais déjà ce que tu vas chanter? Non, pas forcément, mais bon, à ce niveau-là, je suis plutôt à l'aise. Donc, ouais, on t'a entendu chanter des drôles et on est déjà en voiture avec toi, c'est pas... Non, ça devrait pas être compliqué. Beaucoup de fierté, j'imagine, aujourd'hui. En tout cas, très très fier de Christ et Loïc. Franchement, la maman de Loïc et je suis. Aujourd'hui, je suis à Rennes. Je sais pas... Les mots me manquent, l'émotion est vraiment énorme. Ok, ouais, on voit que vous avez l'air un petit peu ému, c'est une vraie étape qu'il franchit aujourd'hui. Oui, c'est Loïc. Ça, franchement, une vraie étape pour Loïc. Ah, je suis fier, je ne savais pas que ça pouvait arriver là, mais quand je réfléchis, je ne fais que regarder en l'air si c'est de la réalité, mais c'est vraiment de la réalité. Je suis très très ému. Je suis très très contente. Les matchs ils seront un petit peu difficiles, mais je sais qu'il ne va pas lâcher, il sera toujours à fond. Et c'est sa qualité numéro une, et franchement, je suis très fier. Ok, super. Et merci, je voulais dédier une petite chanson à Loïc pour dire. Merci. Ouais, je dois préparer un sac du coup avec des affaires. C'est dans le bâtiment? Non, à l'hôtel. À l'hôtel, ok. Et j'ai pas mon paquetage à récupérer? Je récupère pas ici? C'est déjà là. Ok, parce que j'avais pris pas de sac en fait. Enfin, j'ai un sac, mais celui du Harcelance. Oula. Salut Téléfoot. C'est comment? Courage, mon ami. On a bien de toi. Moi, je te vois dedans. À bientôt. Ouais. Vas-y, bisous. Bisous. On s'appelle, je oui. Vous partez. Au revoir. D'accord. Okay. Au revoir. Bon, vas-y, on se tient. Ouais. Et première journée de Ligue 1, c'est quoi? Ah, c'est Stade Rennais, RC Lens. T'as fait exprès? J'ai pas fait exprès, mais on va pas faire de cadeaux. Merci. Hey.
On s'aime pas mais on fait tout semblant, c'est ce qui nous occupe. Une petite panne sur les réseaux sociaux, c'est ça qui coupe ta vie. Je voulais une femme mais j'ai pas les moyens, j'ai des bouches à nourrir. J'ai une mère que je ne vois plus souvent, je vois trop mes amis. Je peux te mentir, les yeux dans les yeux, je me suis déjà menti. Pas méchant mais parfois je fais semblant, pour moi ça fait viril. C'est mon enfant, je pouvais tout faire pour elle. J'ai mes traumatismes, la rue ça tue, d'arrive pas. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.